Voyons dans cette séquence tout le pouvoir de l'esprit low-tech. La mise en application de cette démarche nous a a priori permis de bien définir nos besoins et d'utiliser des techniques économes, tant sur l'eau que sur l'énergie. Elle invite aussi, au fil des étapes, à faire preuve de créativité pour utiliser au mieux les contraintes et les ressources locales. Bref, elle favorise une innovation low-tech. A priori, elle peut s'appliquer aussi bien à l'individu qu'à un process de fabrication d'un produit ou d'un service répondant à un besoin pertinent pour une organisation. Mais au-delà de ces résultats positifs, expérimenter sur nous-mêmes les solutions qui nous semblent pertinentes pour l'avenir a été source de nombreux bénéfices à titre individuel comme collectif, dont certains insoupçonnés. Par exemple, le bénéfice le plus direct a été la satisfaction de mettre concrètement en œuvre des solutions pour répondre à notre envie de respecter la nature et nos valeurs. On a ainsi réussi à réduire drastiquement notre empreinte environnementale et à tendre vers un nouvel imaginaire positif. Gagner en intégrité nous a aussi apporté de la sérénité. On a réussi à nous détacher de cette sensation de bug et de dissonance cognitive qui nous pesait au quotidien. On a aussi trouvé beaucoup de motivation à travailler dans tous ces projets. En effet, apporter du sens à nos actions professionnelles a décuplé l'envie et l'énergie pour réaliser nos missions. Créer et proposer des choses nouvelles a été stimulant d'un point de vue intellectuel comme humain. En tant que précurseur, on a aussi bénéficié d'une grande liberté dans ces projets et d'une large audience attirée par cette expérimentation et la transparence de la communication. Enfin, travailler sur ces projets novateurs, dans l'objectif de respecter l'environnement et l'humain, a renforcé notre esprit d'équipe. On avait le sentiment d'avancer ensemble vers une vision commune de notre organisation d'écrire un récit partagé. À cette époque où de nombreuses entreprises sont touchées par les burn-out, une perte de sens des employés et des difficultés de recrutement, on croit sincèrement qu'intégrer des projets low-tech au sein des organisations professionnelles pourrait être bénéfique pour les collaborateurs comme pour l'ensemble de l'organisation et de ses partenaires. Par ailleurs, le fait d'utiliser des ressources locales durant notre expérience nous a liés et encastrés dans un écosystème local, presque palpable. Se sentir inclus, partie de cet écosystème, nous a fait ressentir à la fois de la sécurité, car on connaît les systèmes desquels on est dépendant, mais aussi de la responsabilité et du respect vis-à-vis -vis des ressources qu'on consomme. Par exemple, il devenait presque ludique de prêter attention à nos stocks d'eau, ou encore de prendre soin de ne pas utiliser de produits nocifs dans notre évier, au risque de voir sous nos yeux la phytoépuration mourir. Par la démarche low-tech, on tend vers l'autonomie. C'est-à-dire qu'on se réapproprie ces réseaux de dépendance. On choisit en connaissance de cause. On les embrasse. On se relocalise. On s'intègre dans un écosystème d'acteurs, mais aussi dans un milieu vivant. Ce n'est pas viser l'autarcie et l'indépendance absolue. Mais pas non plus rester dépendant d'hyper-réseaux complexes et fragiles aux gouvernances centralisées, qui conditionnent nos modes de fonctionnement et leurs impacts sociaux et environnementaux. Une fois ce réseau de dépendance locale ainsi constitué, on peut créer des liens forts et de confiance, souvent plus proches de notre territoire. On peut alors choisir de le faire vivre, de documenter et de témoigner de nos expériences pour avancer ensemble vers une vision d'avenir similaire. Nos actions et la transparence de l'expérimentation renforcent notre crédibilité et permettent d'éviter le greenwashing. On a ainsi observé que témoigner sur notre travail permet régulièrement d'inspirer d'autres potentiels bénéficiaires. L'ensemble des bénéfices précédemment décrits participent à créer une organisation résiliente, capable de résister à des difficultés et de rebondir après des crises. Mais les low-tech vont plus loin. Elles intègrent le côté anthropologique de cette résilience. À l'instar du garde-manger qui invite à faire le plein de légumes, certaines low-tech favorisent le changement d'habitude. Elles peuvent avoir un rôle pédagogique et aider le passage à l'action. C'est un effet très important, car une des limites les plus compliquées à dépasser chez l'homme est ce changement d'habitude. S'intéresser au low-tech implique de changer notre perception des choses, des ressources, des autres, de questionner nos besoins, et donc de changer nos habitudes, nos modes de vie. En règle générale, appliquer une démarche low-tech permet de provoquer un changement profond, et pas seulement d'obtenir des gains incrémentaux, comme pourrait le faire une démarche de lean management, par exemple. Ces changements profonds sont une occasion pour l'organisation d'avoir un pas d'avance sur les contraintes environnementales réglementaires par exemple, sur les besoins à venir des clients ou encore sur les demandes des habitants du métropole pour les collectivités. En conclusion, cette expérimentation d'une tiny house low-tech nous a permis de construire une sorte de récit commun, un récit partagé qui nous a permis d'agir et d'apprendre en confiance avec des artisans, des entreprises, des acteurs publics et des citoyens. Cette construction progressive peut se faire dans d'autres domaines à l'échelle territoriale. La mobilité douce, par exemple, le recyclage local, les infrastructures numériques sobres, la préservation de la biodiversité ou le développement des circuits courts. Et finalement, d'arriver à façonner ensemble des territoires plus low-tech. Affaire à suivre.